Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous montrer comment avoir le masque du cauchemar. Donc première chose, faut être dans la nuit, 19h. Donc il faut regarder au niveau du jeu, vous appuyez sur option, je vous montrerai, et vous regardez que vous avez dépassé 19h. Une fois que 19h est passé, vous allez vous présenter sur une pierre tombale où je vais vous la montrer. De toute façon, tout sera expliqué sur la petite vidéo qui sera après. L'emplacement et tout. Et vous devez juste faire un salut. Mais par contre, attention, il va pas venir tout de suite. Si vous faites un salut et qu'il arrive pas, il faut en faire plusieurs, vous revenez un petit peu en arrière, vous revenez, vous refaites un salut, vous mettez sur le côté, vous faites un salut. S'il y a des mobs, tuez-les. Tuez les mobs, laissez pas les mobs, parce que si vous laissez les mobs, vous allez avoir les mobs plus le chasseur à tuer. Ça va être très très compliqué. Donc s'il y a des mobs, débarrassez les mobs, et après vous faites le salut. Et à savoir que je tourne la vidéo avec des amis, donc on fait ça vite fait, le soir on joue ensemble. Donc j'enregistre, et après ben, je suis obligé de faire un petit montage pour faire vraiment une présentation propre. Donc là, je vais vous faire montrer, n'hésitez pas, et après je reviendrai. Donc il faut mettre un pointeur ici. Ici quelque part, attends que je regarde, ici. Donc je regarde, attends je vais pas dire de bêtises, ouais, ici. Attends j'ai pas encore mis. Là tu vois où il y a la jonction, ici, où il y a les deux routes. Tu vois, à côté de la cache SHD là, vas-y on va à la cache SHD là. Et là, ouais on va spawn sur la cabane. Et il doit avoir une, comment ça s'appelle? Ouais à peu près 22h, ouais. Là, j'ai fait 1 heure de live, je vais encore faire 1 heure. Tu dois aller devant une. Comment ça s'appelle? Une. Ah, je sais plus le nom. Une plaque mémoriale, on va dire. Non, non, tu dois être dans une plaque mémoriale. Et tu dois faire un salut devant. Et c'est là que tu vas avoir le boss en fait. Ouais, je sais pas si c'est vraiment 19h. Mais il dit qu'il faut le faire plusieurs fois. Attends, je vais regarder l'heure qui est dans le jeu. Elle est en face de moi. Elle est ici. Ouais, là, c'est ça. Elle est ici. Oh là, attention, il y a un truc. Il y a une patrouille. Il faut s'occuper de la patrouille en premier. Ouais, dès que j'ai le temps, je le ferai, t'inquiète pas. Donc là, tu dois te mettre ici devant et tu dois faire un salut. Et ils disent qu'il y a des moments, il faut le faire plusieurs fois. Hein. Et après, c'est peut-être qu'il faut attendre 19h. Ouais, tu te mets dans l'eau là et tu fais un salut. Et il va à spawn. Mais il a dit, hein, tu peux le faire pendant 3-4 minutes. Hein. Non, non, c'est ça. Hein. Mais attention, il n'est pas encore 19h. Hein. Donc ça se peut qu'il faut le faire à 19h. Hein. Je crois que l'émission casque. Ouais, ok, il n'y a pas de problème. J'irai voir après. S'il n'est pas 19h, là, il est quelle heure? Là, il est 18h47, donc il faut attendre un petit peu. Et comment j'allais dire de toute façon ça va faire comme d'habitude, ça va faire un écran de fumée et il va être dedans. Partout. Ouais, il peut apparaître devant toi, hein, bien sûr. Hein. Soit il apparaît devant toi, soit il apparaît derrière la plaque. Hein? Bah mettez ce que vous voulez. Et le gars il a dit il a fait pendant à peu près 3 voire 4 minutes il y a des moments avant qu'il se débloque.
Merci pour le petit like, c'est cool. Dès que j'ai fini mon live, j'irai voir. Je vais regarder quelle heure il est dans le jeu. 19h07. Donc normalement, on doit l'avoir. Hein. Essayez de sortir, reculer un petit peu. Jusqu'à la voiture bleue là-bas. Et après, on revient pour voir. Elles disent que c'est le plus simple, c'est sûr. Mais il peut venir au bout d'une minute comme à 20 minutes. C'est aléatoire. Là-bas, il y a quelque chose. Essayez de reculer les gars, sortez de l'eau. Mettez-vous, je suis moi. Parce que normalement il va spawn, mais peut-être qu'on est trop près. Normalement il spawn juste là, devant les noms. Quand est-ce que j'ai lancé ma chaîne? Au mois de janvier? Fin janvier, je crois, si je me trompe pas. Ah là, il est là. Là, je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Oh là là, vous l'avez défoncé. Mais regarde, moi, je peux pas bouger. Là, je suis bugué. Ouais, mais bah, je peux pas aller chercher. Je suis bugué. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Masque du cauchemar. Donc voilà, il est là le masque du cauchemar. Ouais, attends, je vais regarder pour le prochain. Mais qu'est-ce que j'allais dire? C'est rien, j'ai récupéré ma vidéo dans mon live en fait. Alors le masque du cauchemar, il est où? Je dois aller dans hop. Oh merde, vêtements. Masque du cauchemar, il est là. Attends, mon bonhomme il est en mode tout costaud. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Là, le masque du cauchemar, je l'ai. J'ai un ami à moi qui a tué le boss assez facilement. Et, enfin, on s'est tous acharné dessus et on a réussi à l'avoir assez facilement. Mais on avait quand même un bon stuff. Je sais qu'on est venu une fois, on avait un stuff pas terrible et il nous a démonté. Donc faites surtout bien attention que vous avez vraiment un bon stuff avant d'entamer cette procédure. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je ferai les vidéos, enfin je vais faire la vidéo des deux prochains masques. Mais là le problème c'est que la vidéo sera aussi tournée en plusieurs fois parce qu'il y a un système où il faut faire des saluts devant des tombes. Et après le problème c'est que les mobs, enfin le chasseur il pop. Donc il faut trouver exactement où il va popper et il faut le one shot. Sinon si je le one shot pas, il va s'enfuir et il va falloir recommencer toute la procédure. Donc c'est une vidéo qui va durer assez longtemps. Je fais que mes propres vidéos et je fais mes propres masques. Je ne prends pas la vidéo de quelqu'un pour dire ah non non. Si je l'ai pas eu, je fais pas de vidéo. Donc voilà pourquoi je sors aussi un peu mes vidéos en retard. Mais bon, pour moi c'est pas trop gênant. Je préfère avoir la fierté de dire je mets ma vidéo avec mon propre masque à moi, de prendre la vidéo de quelqu'un et dire voilà, regardez tel truc, et puis avoir une chaîne YouTube qui monte, mais que c'est pas mon intérêt à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao.